Coucou. Alors aujourd'hui, vous avez le droit à deux petites créas du mercredi. J'ai vu ces petits moutons trop mignons là sur Pinterest et je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire avec? Et je me suis dit pourquoi pas y faire une petite carte. Voilà. Donc il va vous falloir un gabarit par contre pour le faire, pour pouvoir découper la petite tête. C'est sûr, vous tapez gabarit mouton sur Pinterest et vous trouverez. Ou alors vous faites à main levée, mais ça risque d'être un peu compliqué. Donc sur la feuille A4, en fait, vous avez tout ça à découper, des petites lunes, le petit corps du mouton, des étoiles, tout ça. Là, c'est ses cheveux du mouton. Il y a plein de petites choses à découper. Donc moi, j'ai découpé tout ça pendant le live tout à l'heure. Et je me suis dit, je vais faire une petite carte facile pour le mercredi. Voilà. Et il va vous falloir un disque de coton pour faire le corps du mouton. Voilà. Hop, un petit disque de mouton. Un petit disque de coton. Voilà. Donc, pour faire la tête du mouton. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à vous expliquer. Faut que ça ressemble à ça. Voilà, alors je vais vous le tenir. Donc ça fait une petite tête arrondie comme ça. Voilà. Et des oreilles qui pendent de chaque côté. Voilà, hop, là ça remonte un peu. Oula, oups. Non, c'est pas très joli hein, à main levée. Non, je vais prendre mon gabarit. Hein. J'ai essayé au moins. Donc, vous imprimez votre gabarit, vous les découpez. Comme ça, après, vous avez juste à passer tout autour. Hop. Voilà. Pour reproduire la petite tête. Voilà, on prend les ciseaux et on va la découper. Donc bon bah je la fais rose hein, bien entendu, c'est sa petite tête qui est rose, mais après vous pouvez la faire un petit peu beige, marron, c'est vous qui choisissez après. Hein. Puis même si vous voulez la faire verte, et bah vous la faites verte, orange, rouge, comme vous voulez et surtout ce que vous avez. Je vais découper ça, ça m'agace d'avoir un gros bout. Hop, on va découper tout le tour, donc l'oreille, la forme du visage. Voilà. Et l'autre oreille. Tac. Donc voilà la petite tête du mouton qui est comme ça. Mais bon, moi je vais prendre l'autre côté parce que de ce côté-là, il y a les traits de crayon. Bon, c'est pas très joli. Donc je vais prendre de l'autre côté. Ensuite, il va falloir ses petits cheveux. J'ai mis ça où? Bah, je l'avais le petit gabarit tout à l'heure. Alors, c'est pas ça. C'est pas en dessous. C'est pas. Pas là. Bon bah je vais le faire à la main, je vais être obligée. Ah non, ils sont là. Donc pour faire ses petits cheveux, enfin sa petite touffe sur la tête, il faut faire en fait comme un petit nuage. Voilà, comme ça. Trois petits ponts. Mais moi je vais retracer le gabarit. Si vous êtes doué en dessin, vous pouvez très bien le faire, hein. Moi, franchement, je suis nulle en dessin. C'est des formes quand même assez simples, mais bon, je suis super nulle. Voilà. Donc, je vais découper En fait, c'est du pailleté. Hein. Voilà. Je découpe mon espèce de petit nuage là. Hop. Voilà.
Voilà. Donc, on a sa petite tête, ses petits cheveux, et là, du coup, ça sera son corps. Voilà. Voilà, ça se présentera comme ça. J'ai pris juste une base de carte basique, hein, et on va coller tout ça ensemble. Donc, on prend la... Ah, ben non, la tête du mouton, faut lui faire... Alors, je vais lui coller ses petits cheveux, déjà. Tac. Voilà. Et on va lui faire deux petits points pour faire les petits yeux. Voilà. Et un petit V, là, pour faire, son petit museau. Hop. Et après, on va le coller sur le coton. Tout simplement. Pam, pam, pam. Alors, je colle que la partie basse puisque le dessus, il dépasse du rond. Donc, je mets pas de colle à cet endroit-là. Hop. Voilà. Ensuite, je vais mettre de la colle sur le coton. Et on va décorer le reste de la carte. Donc, je vais principalement prendre des stickers de chez Action. Voilà. Je les avais mis de côté. Elles sont là. Donc j'ai ça. Et j'ai ça. Donc là il y a un petit mouton. On pourrait rajouter un petit mouton. Hop. Ici. Voilà. Je vais mettre... mettre quoi? Bon, des petites fleurs et puis des petits papillons, c'est sympa. Hop, on va mettre trois petites fleurs en bas, les trois petites fleurs qu'ils ont là. Hop. Les trois. Attendez, hop. Voilà, un pec. Et j'ai vu derrière, il y avait un petit nœud. Je vais essayer de le mettre sur le mouton, en dessous, là. Pour que ça lui fasse un petit nœud pape. Par contre, je vais rajouter un petit point de colle, parce que sur le coton, je ne suis pas sûre que le sticker va bien coller. Hop, voilà. Et en haut, je vais mettre un petit... papillon. Ah, sont là les papillons. Ouais. Hop, voilà. Deux petits papillons. On va mettre un là et un de l'autre côté. Voilà. La petite carte est terminée. Voilà. Une petite carte de Pâques, toute simple. Bon, là, j'ai fait un tamponnage, mais je me doute bien que, bon, les stickers, c'est tout aussi bien. Donc ça peut donner des idées avec un rond à démaquiller et juste une petite forme à découper, des stickers et on peut faire une jolie petite carte. Voilà, je vous souhaite un bon mercredi, de bonnes créations du mercredi, voilà. Normalement juste avant vous avez dû voir une création avec des bâtons en bois pour faire une espèce de petite barrière décorative. Et on va se retrouver la semaine prochaine, mais je ne sais pas encore pour quelle création. Voilà. Je vais vous chercher un petit tuto sympa à faire pour faire avec les enfants. Et qu'on s'amuse, que vous vous amusiez à reproduire et à vous occuper aussi dans ces temps. Comme on ne peut pas trop sortir, il faut bien trouver des occupations. Hein. Voilà, je vous laisse, je vous fais des bisous à tous et je vous dis à mercredi prochain pour l'autre tuto du mercredi. Allez, au revoir !